Ça vous a plu? C'était beau, hein? Alors, vous êtes prêts à voir un super concours cosplay en solo? Alors, on va accueillir aujourd'hui 20 cosplayers solo pour ce concours. Il y aura 4 prix remis, 1, 2, 3 et un coup de cœur. Je vais d'abord vous présenter notre jury de choix pour ce concours. Alors, juste ici devant moi, nous avons Lips Cosplay. Il y a des fans, Lips, il y a des fans. Que vous pouvez voir sur le stand de notre association, les Troopels, à l'opposé de la convention. N'hésitez pas à venir le voir si vous voulez lui parler. Il y a une de ses armures qui est exposée sur notre stand. Petite armure, ouais, effectivement. Au milieu, on a Bahamut Cosplay, qui a aussi son propre stand un petit peu à côté du nôtre. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez la voir aussi. Elle est très talentueuse et elle fait aussi des très très belles armures. Oui, oui, on reste humble. Et en dernier, nous avons Milou Cosplay, qui est aussi sur notre stand aujourd'hui. N'hésitez pas à venir la voir. Elle a des primes, des photos, des tas de choses à voir. Qui est un peu notre référent de couture, pour le coup, aujourd'hui. Quand même. Enfin, il en faut une, parce qu'il n'y a pas que les armures dans la vie. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes sûrs, là, parce que j'ai pas l'impression que vous soyez prêts. Ah, ouais, là, ouais, je suis d'accord. Ok. Alors, en premier participant, nous accueillons un personnage de manga. Je pense que c'est assez connu. Vous connaissez My Hero Academia? Oui! Eh bien, nous accueillons Izuku Midoriya de My Hero Academia! Dans le passé! Maman, maman, remets la vidéo, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! D'accord, mais est-ce que t'as pris tes pilules ce matin contre le surplus de haine? Au lieu de dire des trucs stylés comme le grand pouvoir implique de grandes responsabilités, tu diras plutôt Monsieur, votre happy meal sur place ou emporté. Qu'est-ce que je suis drôle. Maman, toi au moins, dis-moi que tout va bien se passer. Tu vas avoir une vie de merde. Dans le présent. Depuis des années maintenant, tout le monde a des haltères impressionnants. Et un nouveau job a déboulé sur le marché de l'emploi. Les super-héros. Ben. Alors les hommes, vous voulez faire vos études pour moi, que Milouria veut aussi aller à l'académie des héros. Et tu sens que tu sois plus. T'as même pas de pouvoir. Attendez, vous avez vu la gueule de vos alters? Vous croyez que lui, il va aller loin avec ses globes oculaires? Et lui, avec sa gueule de Tahiti Boss? Sac à merde, je suis meilleur que toi, t'es qu'une petite merde. En raison de l'inutilité des répliques de Bakugo, nous avons décidé de le censurer à l'aide d'un signal sonore plus plaisant. De toute façon, qu'on l'entende ou pas, il ne dit rien d'intéressant ou d'utile à l'intrigue et au divertissement. C'est pas très gentil tout ça, Bakugo. Là, vous êtes super fragile en vrai. Y'a pas de me dire que tu me respectais. Sans vous vexer, vous ressemblez à un mélange entre Sans d'Undertale et Bob Marley. Je n'accepte pas la critique négative. À la prochaine. Vous croyez que je peux devenir un super héros même sans alter? Non. Bah je pensais quand même essayer. Regardez, j'en ai acheté. Il ne viendra pas humoriste non plus, ça c'est sûr. Ou avec des petits gadgets comme Batman. Batman, c'est une drama queen. Son seul sujet de conversation, c'est mes parents sont morts, sniff sniff. Mais tu m'as l'air bien sympathique, le fanboy. Alors si tu dirais que je te passe mon pouvoir, telle la dette publique ou le sida. Attendez, après toutes ces années, pourquoi choisir moi plutôt qu'un autre? T'es le troisième anneau à qui je demande ça cette semaine. Ah, je... Ça va? Ok, alors vous allez voir, on va voir nos accessoiristes, ils vont faire des allers-retours. Ils sont trop forts. Voilà, c'est super dur. Ouais, c'est grave dur. Voilà. Rien qu'avec les accessoires, ça va vous donner une petite idée de ce qu'on va avoir juste après. On va partir.
partir avec une série de films ultra connus. Tiens, où est Sparrow d'ailleurs? Ah, il est là-bas. Est-ce que vous connaissez Pirates des Caraïbes? Bon, c'est pas Sparrow qu'on va accueillir. Reste là-bas, toi. C'est pas toi. Non. Oh, c'est pas toi. Alors, nous allons accueillir le personnage d'Elisabeth Swan de Pirates des Caraïbes. L'équipage m'attend, me faut une tenue plus adéquate pour être sur ce navire. Laissons ce corset aux dames de Singapour. Comment enlève-t-on ce fichu corset? Où est Jack Sparrow quand on a besoin de lui? Sûrement sur une île, à boire du rhum. C'est pas simple d'aller vite et de faire ça sans se blesser quand même. On applaudit les accessoiristes! Alors, on va enchaîner sur du Disney. Bon, en fait, Pirates des Caraïbes, c'est un peu Disney aussi. Mon Dieu, des perles. Ça va, il n'y a pas l'air d'en avoir trop partout, quoi. Une là-bas? Attends. Je vois pas de perles. Ça, c'est les aléas du direct. Non, ça a l'air d'être. C'est bon. Alors, on va encore mettre des accessoires sur cette prestation. Puisque cosplay égale accessoire, sinon c'est pas drôle. C'est mieux, on est d'accord, c'est mieux. Attention le matériel. Alors, est-ce que vous avez tous vu Aladdin? Ouais, parce que celui qui a pas vu Aladdin, c'est pas bien. Ils sont endormis, ouais, je pense.
Mais est-ce que vous avez vu le film d'Aladin? Ok. Eh bien, on va accueillir... Ça a l'air d'être bon. La princesse Jasmine d'Aladin. De repousser tous les prétendants qui se présentent. Selon la loi, tu dois avoir épousé un prince avant ton prochain anniversaire. La loi est mauvaise. Il ne te reste plus que 3 jours. Père, je déteste qu'on me force la main. Jafar, je ne m'étais pas encore aperçu qu'il est impossible de résister à votre charme. C'est un plaisir de vous servir. Prenez donc un peu de baklava. On va partir à la chasse. Est-ce que vous connaissez Monster Hunter?
de gens, là, pour le coup. Hein. On va accueillir un hunter en armure. Oula, attention. The Monster Hunter. La piste semble s'arrêter ici. C'est bon, ça passe, tout va bien.
Magnifique. Trop fort les accessoiristes. Ça va, ça fait tout ça. Et voilà, c'est parfait. Alors, vous êtes prêts? Nous aussi, c'est bon, on est ok. Nous allons accueillir le chevalier de la mort de World of Warcraft. Je le crois. Gna, nouvelle monture, un dragon, un fer, brutosaure. Oh, j'ai mordu à l'hameçon comme un bleu. Oh, bon, je plie bagage, je me casse. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est ici. Hein? Bonjour, je m'excuse de vous déranger, mais... Oh, vous partez? Oui, c'est pourquoi? Oh, j'ai toujours rêvé de rencontrer le roi Lich. Tu as dit quoi, là? Ah, oh, oh, pardon, je me suis trompé. Reviens là, espèce de morveux. Je suis désolé. Attends, mais je vais t'apprendre. Non, 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 non. Non, 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 non. Viens ici. Au secours. Non. Ah. Casse-toi. Ne reviens pas. Sérieux? Me confondre avec le roi Lich. Non, mais j'aurais vraiment tout vu. Au nom du roi Lich. Le roi Lich. En fait, chier. Ça, c'est de la sortie. Hein. Quand un peu, je me faisais écrabouiller. J'ai failli mourir. Tout va bien, j'ai survécu. Ça va? Allez pas le contrarier, hein, parce que je crois que va vous arriver des trucs. On va passer à une série qui a très très bien fonctionné. Ah oui, t'es toute seule, malheureuse. Attention, ils arrivent. Tu veux t'asseoir? Vas-y, écoute. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont regardé Arcane sur Netflix? Bon, tous ceux qui aiment League of Legends, en général, ils ont dû regarder. Ça va aller. Nous allons maintenant donc accueillir le personnage de Vi de Arcane. Eh ben, faut encore que tu passes ta garde. J'aimerais pouvoir te dire qu'on finit par s'y habituer, gamine. Mais ce serait te mentir. Ce que je veux te dire, c'est qu'elle a encore besoin de toi. Ils ont tous besoin de toi. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Thank you.
l'accessoire de notre concurrente suivante. Je vais monter. Oh. Ça va? Non, vous m'écoutez pas en fait. Ça va ou pas? Voilà, ok. Il faut les encourager, ils font tous leurs costumes, tout seuls comme des grands, eux-mêmes. C'est quand même beau. C'est beau. Franchement, il faut beaucoup de talent. Alors, on va laisser la grosse monter, ça a l'air d'aller. Nickel. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui jouent à Magic? Je t'ai pas demandé. Yeah, super. Alors, nous allons accueillir Avacine de Magic the Gathering. Innistrad, mon foyer, ma famille, se meurt à cause de moi. J'ai été créée pour apporter la lumière. J'ai été façonnée pour incarner la justice. Mais j'ai échoué. Mon nom est Avacine, archange de la justice. Mon nom est Avacine, protectrice des innocents, mère de l'humanité. Je n'ai jamais voulu te tuer, mon ami. Je ne suis pas un démon. Je suis pas un monstre. Je t'en supplie, crois-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. J'implore ta clémence. Ce n'était pas moi. Je vaux bien plus que ça. Je suis pas née pour détruire la vie. Je suis née pour créer. Je me suis perdue en chemin. J'ai perdu le contrôle. Tout est de sa faute. Sorry, tu m'as créé à ton image. Sorry, tu es le mal incarné. Ma raison de vivre est de te tuer. Le mal doit disparaître. Sorry, je t'attends. Changer. Non, tu veux pas? T'as pas envie? Tu veux que des trucs qui font peur, c'est ça? Bah ouais, évidemment. Alors, est-ce que vous connaissez le manga Chobits? Ah bah ouais, enfin ça, je vais pas dire que c'est un truc de vieux, mais un peu. Ouais, bah ouais. Chobits, et ben en fait, Chi, c'est un androïde, elle est toute mignonne, vous allez voir. Nous allons accueillir le personnage de Chi du manga Chobits. Yeah.
Après ce petit passage de mignonnerie, nous allons repasser dans un personnage un peu plus masculin, c'est bien de le dire. Hop, attention, je fais attention, hop, je me recule. C'est trop bien, moi je vois tous les détails en fait. Ok. Vous connaissez Star Wars? Qui ne connaît pas Star Wars? Vite fait. Ouais, vite fait. Vous connaissez les Mandaloriens? Alors, nous allons accueillir un personnage qui est une création personnelle sur un Mandalorien. Il s'agit du personnage de Preeti Netra de Star Wars. Bonjour. Bonjour. Vous n'auriez pas vu un petit truc vert sur deux pattes? Des longues oreilles? Non? Oh, pardon. Je m'entends pas ça. Preeti Netra. Je suis un Mandalorien, sans clan. Je viens de Coruscant, là où j'ai croisé un ami, Jinjar. Et il a, encore une fois, égaré son enfant. Enfin, son enfant adoptif, Grogu. Oui, oui, Jinjarin, c'est The Mandalorian. Comme si c'était le seul. Une série juste pour lui. Même si, heureusement pour lui, Grogu était mignon. Quoi? On va pas se le cacher. En plus, monsieur a un credo pour ne pas avoir enlevé son casque. Peut-être par peur d'être moins mignon que l'enfant. Moi? Ah, j'ai pas de souci. Je peux l'enlever si je veux. C'est juste que là, j'ai un peu froid. Bon, c'est pas le sujet. L'enfant. Vert, petit. Non, vraiment personne. Si tu m'aides, je te paye un bon banta à la cantine. On fait 50-50 sur la prime. Ah ouais, je vais pas parler de la prime. Mais en fait, non, je vais me débrouiller tout seul. Un crédit, c'est un crédit, parole de mon. Non, pas de là. Non plus. Non. Ouais, je sais, quand on me voit arriver, beau gosse, mon armure. On s'attend à ce que j'ai un métier dangereux. Mais non, je suis nounou pour un gosse de 50 ans. Quelqu'un aurait des autres grenouilles sur lui. Ou même une grenouille entière, un truc dégueu à manger. Apparemment, il en raffole et j'ai laissé toute ma nourriture au vaisseau. Ah, bah te voilà. Allez, zoup, chez ton père. Direction, là-bas. Voilà, il en a mis partout. Franchement, hein, c'est obligé de tout ramasser. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Ça va diminuer en accessoires. On va ralentir un peu. Alors, on va repartir dans du Disney. Avec un personnage qu'on voit pas souvent. Vous connaissez tous Cendrillon? Eh ben, voilà, la reine la bonne fée. Oh là là, 18h, il est déjà 18h et je n'ai pas encore trouvé comment emmener Cendrillon au bal ce soir. Oh, bon, pas le choix, faisons appel à l'équipe. Bon, là, j'ai vraiment besoin de ton aide. Non, mais tu déconnes. Un carrosse? Mais je te rappelle, on est en 2023. Et trouver une place de parking pour un carrosse, c'est mission impossible. Trouve autre chose. Une trottinette électrique? En v'là une idée. Et c'est pas Elsa qui va au bal. Pour info, nous sommes en janvier. Et si tu regardes par la fenêtre, tu verras qu'on n'est pas vraiment sous les tropiques. Trouve une autre idée. Et oublie balais, soubrales et autres tapis volants. Car même si nous appartenons au monde magique, c'est chez les Moldus qu'elle va au bal.
Je ne comprends pas. Tu veux que je te trouve un GSM? Non, mais là, t'as vraiment besoin d'une mise à jour. Bon, quelqu'un peut me prêter un GSM? Merci, mademoiselle. Montre-moi ta super solution. Magique Taxi, bonjour. Comment puis-je vous aider? On applaudit bien fort la barrette de la bonne fée. Merci, Iman. Alors, on va repartir sur du League of Legends. Je trouve que le costume est de circonstance au vu de la saison. Je sais pas vous, mais carrément. Vous allez accueillir maintenant Soraka de League of Legends. Crying, you've tried to help, but they're
is expired. On applaudit bien fort Nécro. Continuer de nouveau avec un personnage de l'univers Disney. C'est pareil, c'est un film qu'on voit pas beaucoup dans les concours, je trouve ça dommage. Même si, un petit peu. Ah, n'est-ce pas, Milou? Vous avez vu Hercule? Ah, c'est bien, parce que si vous avez pas vu, il faut le voir. Voilà, clairement, il faut le voir. Nous allons accueillir Megara de Hercule. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Meg? Et toi qui croyais connaître la chanson? S'il y a un prix pour manque de jugement, je crois que j'ai le ticket gagnant. Nul homme ne vaut de souffrir autant. C'est de l'histoire ancienne, je jette, j'enchaîne. Qui crois-tu donc tromper? So
Attends, j'arrive. Tout va bien, je le tiens. C'est toujours comme ça. Alors attends, parce que j'arrive pas à la remettre sur la table. Et l'autre, il passe devant la caméra de l'autre. Donc j'essaie vraiment de te zoomer et puis après t'as le verre en blanc qui passe comme ça, donc c'est violent. Alors, on va revenir sur du Vocaloid. On va accueillir le frère de Rin qu'on a eu tout à l'heure. Nous accueillons Len Kagamine de Vocaloid. La voilà.
soit bien revenu. Grâce à vous, Amiral Suprême. Ça valait bien le coup. C'est vrai qu'il y a un petit côté Winry Rockbell, vous trouvez pas? Hein? À fond, hein? Et c'est pas fou de mettre à la chemise ici, ok? On va donc accueillir Vanellope des Mottes de Ralph! Je vais enfin pouvoir gagner une course grâce à ma toute nouvelle voiture. Mais avant, une minute de silence, car mon ancienne voiture, que j'avais eu tant de mal à faire, elle est cassée. Bon, ok, une minute c'est trop long. Et puis, on va pas se mentir, elle était vraiment nulle de toute façon. Alors voilà.